Bonjour, je m'appelle Marc-André Tenenbaum, de la société Télécom Exus. Nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés dans un domaine qui s'appelle l'interopérabilité et à ce titre éditeur du logiciel ERM pour la régulation des SAMU. Nous équipons aujourd'hui plus de 30 SAMU en France, dont 12 aujourd'hui avec la solution complète qui consiste à une partie de téléphonie avancée et la gestion du dossier de régulation médicale. Nos points forts, c'est l'interopérabilité, donc l'accès à des données extérieures, à des flux extérieurs, la radio, le GSM, des applications connectées. Nous travaillons avec de nombreux partenaires qui tous ont vocation à enrichir le dossier médical à l'intérieur des SAMU. Et nous avons développé beaucoup d'applications dites de mobilité, dont My15, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aujourd'hui la seule application qui permet, depuis son mobile, d'appeler directement My15 et de pouvoir transmettre instantanément à l'assistant de régulation médicale des informations médicales contenues sur mon mobile, ainsi que ma géolocalisation. Nous développons également des tablettes SMUR qui permettent aux urgentistes sur le terrain d'obtenir les informations en direct et des applications de géopositionnement, par exemple lors des domaines de situation sanitaire exceptionnelle. Nous avons installé le premier système il y a un peu plus de 14 ans, je crois. Donc le système est bien connu et bien évolué. Nous avons plus d'une évolution majeure par an et nous continuons à développer ce produit. C'est le seul logiciel unique sur le marché, c'est-à-dire qu'il couvre depuis le début de la téléphonie jusqu'à la fin du dossier médical. Et ça, c'est vrai que ça facilite le travail des assistants de régulation médicale d'avoir un seul et unique outil. Après, c'est un outil qui est très structurant, c'est-à-dire qu'il permet de positionner les tâches et les rendre vraiment efficaces et avoir la traçabilité et les statistiques dont ont besoin tous les SAMU pour pouvoir rendre compte, bien entendu, et pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. En complément de notre savoir-faire dans le monde de la régulation médicale, nous avons équipé la première salle de simulation en régulation en très haute technologie avec notre produit. Donc, c'est exactement le même logiciel et la même application que celle dont se servent les SAMU qui sont clients chez nous, mais nous l'avons enrichi, notamment avec un système vidéo Skysoft qui permet d'enregistrer l'ensemble des données vidéo, clavier, souris, de manière à pouvoir rejouer les scénarios pour la formation des assistants de régulation médicale. Ceci est très important puisque, comme l'a dit la ministre Agnès Buzyn hier lors de son intervention au Congrès Urgence, le programme de formation des assistants de régulation médicale est en train de se mettre en place. Il sera professionnel et il devra être unique sur l'ensemble du territoire. Donc le programme est en train de se finaliser. Nous sommes prêts à aider tous les centres de formation qui seront nommés à pouvoir enrichir leur formation avec notre produit.